Salut tout le monde, bienvenue pour un autre épisode du Lucide Podcast, mais celui-ci est on the road, parce que comme on vous a dit la semaine passée, on déménage. Le studio est complètement vide à l'heure où on se parle, puis là on est comme entre deux studios. Fait qu'on est sur la route et quelqu'un a eu l'aimabilité de nous inviter dans son sous-sol. Très gentil à lui. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça. J'avais justement un documentaire. Je ne vais pas vous nommer avec qui, mais j'ai un documentaire qui va sortir éventuellement. Puis, j'ai passé la journée avec l'équipe derrière moi de caméraman et de toute l'équipe technique, dans le fond. Puis, c'est eux autres qui ont trouvé la location qui nous ont. Hébergé pour le podcast. On est un peu tassé, on va vous avouer. Là, on est trois gros gars assis sur un petit divan. Là, et d'ailleurs, ça sera un des sujets du podcast. Ça sent un peu trop la testostérone. Ça sera un des sujets du podcast. Joël et moi, on n'était pas d'accord. Moi, ça me tentait pas de faire cette entrevue-là. Puis Joël, lui, ça y tentait. On fait ce qu'on. Je veux dire, c'est. On n'est pas moins chum pour ça. Puis on va revenir pendant ce podcast-ci sur les raisons pourquoi je ne participe pas à des documentaires télé. Puis Joël, ça y tente de dire pourquoi lui, ça ne dérangeait pas. On va y aller avec ça. Sinon, on voulait parler... On va présenter notre invité. Premièrement, oui. Premièrement, on va présenter Éric. Éric Guérette, dans le fond, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur TikTok plus précisément. Il avait partagé une vidéo qui m'avait beaucoup interpellé, qui parlait de pourquoi est-ce que les femmes avaient moins de drive sexuel, pourquoi est-ce que les femmes avaient moins envie de coucher avec leur homme, c'est parce que t'es pas assez homme, tu sais. Puis quand j'ai vu cette vidéo-là, je suis comme, aïe, aïe, ça fait penser à ce que moi et Ali ont dit, puis je l'avais repris sa vidéo, puis j'avais réagi à cette vidéo-là. Puis après ça, ben moi et Éric, on est rentrés en contact, puis depuis ce temps-là, on se parle beaucoup. Puis j'étais comme, écoute, ça pourrait être le fun de t'avoir sur le podcast, Éric. Puis j'ai vu aussi que tes followers augmentent quand même assez rapidement. T'as beaucoup de place, tu prends beaucoup de place sur les réseaux sociaux. De plus en plus de monde qui parle de toi. Fait que on va peut-être être, avant que tu deviennes une célébrité, on va être les premiers à t'avoir sur le podcast. Fait que, en tout cas, bienvenue, Éric. Bienvenue sur le podcast. Mais c'est vrai que le vidéo que Joël fait référence, c'est vrai qu'on s'est dit, lui, il doit écouter du Lucide Podcast. En tout cas, il pêche pour avoir une invitation au Lucide Podcast. C'est ça, c'est sûr que c'est ça. C'est la journée pour ça aujourd'hui. Donc, Éric, explique-moi un petit peu, justement, on sait que tu fais du contenu un peu dans la même trempe que nous autres, mais d'où est-ce que tu viens, puis qu'est-ce qui t'amène sur Lucide Podcast? Écoute, qu'est-ce qui m'amène sur Lucide Podcast? Je pense que c'est le manque de filtre dans mon contenu. Parce que, dans le fond, moi, j'ai commencé, j'étais très gêné de participer sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai commencé à... Il y a un de mes amis qui m'a dit à un moment donné, filme du contenu, pitch en ligne, c'est comme ça que tu vas augmenter ta business. Fait j'ai fait au début, ça m'a pris un an, pour être bien honnête avec vous autres, ça m'a pris un an pour réussir à juste être en avant d'une caméra. Parce que moi, j'aime pas me montrer habituellement. J'aime pas me montrer, j'aime pas avoir l'attention. En fait, j'aimais pas avoir l'attention. Puis ça m'a fait réaliser qu'il y a du monde qui se liait à moi. Puis bref, quand que Joël il parle justement de TikTok, j'ai pitché ça on the side comme ça, nowhere. Ça a touché du monde, j'ai été content du résultat, fait que j'ai continué à le faire tout simplement. Exact, parce que c'est pas facile d'être devant la caméra puis de rester naturel, puis de faire comme si elle était pas là. Justement, nous autres, ça qu'on disait, il y avait du monde qui avait critiqué nos blondes au podcast où est-ce qu'on les avait invités, ouais. En disant « Ah, oh, c'est tout scripté, vous scriptez tout ce qu'elles disent. » C'est comme « Non, non, elles sont devant une caméra, elles sont jamais devant une caméra. » C'est drôle parce que venant du monde qui sont pas habitués, qui eux restent dans leur sous-sol à manger des Cheetos puis à faire du keyboard warrior shit. Des keyboard warriors. Ouais, eux sont bien bons devant leur sur leur clavier, mais eux, ça serait les premiers à chier devant une caméra. Bref, ouais. C'est difficile. Fait que, ouais. Les autres, je commence à les connaître de plus en plus, les ouais, est-ce que tu connais le voyageur du ska? Il commence à hater. Ça va être ton prochain haters parce que je viens de le dire puis je sais qu'il va l'écouter celle-là. Ouais. On l'avait invité justement lui plusieurs fois au podcast. Lui l'a invité. Après ça, par la suite, moi je l'ai invité. Puis à chaque fois, il y a une excuse. Mais tu sais, c'est toujours nos plus gros haters dans le fond qui nous critiquent parce qu'on invite du monde qui pense comme nous autres. C'est toujours eux autres qui refusent de mettre nos podcasts. Puis les excuses, c'est exactement le mot des losers un peu. Les excuses. Ouais, exact. C'est exactement ça. Tout le monde qui veut bâtir quelque chose mais qui n'ont pas assez de couilles pour le faire. Les excuses. Ou veulent pas prendre de risques, ou c'est des gens qui sont confortables dans leur vieille pantoufle. Confortable, exact. Tu sais, prendre des risques, oui, ça génère un certain inconfort. Ça va être inconfortable de prendre quelques risques, sauf comment tu vas avancer si tu prends pas de risques. Puis tu sais, un peu se montrer comme toi t'as fait, ça prend un certain courage de dire, tu sais, moi je suis quelqu'un qui est un petit peu. Tu sais, ça me tente pas d'avoir toute cette attention-là parce que veux pas, ça vient quand même avec beaucoup de commentaires négatifs. Au début, tu sais, c'est sûr que tu les lis.
À un moment donné, plus le temps avance, t'es lipu. Puis après ça, c'est un très bon exercice, par contre, pour pratiquer le je m'en foutisme. Là, ouais. De, à un moment donné, de ce que le monde pense de c'est, toi. C'est encore drôle, Olivier, parce que le je m'en foutisme, je pensais l'avoir vraiment plus. Sauf que des fois, je rentre tellement dans la colère des commentaires de haters. Puis le pire, c'est que j'ai de la chance en ce moment, elles sont pas après moi comme après vous. J'ai pas autant de vues non plus. Mais écoute, des fois, mon problème en ce moment avec eux autres, c'est justement de les ignorer parce que je les trouve tellement stupides que j'ai goût de plonger dans une bataille qui finalement donnera rien. Exactement. Parce... Ben, puis l'affaire, c'est qu'on s'en fout parce que pour pouvoir être apprécié de ceux qui pensent comme toi, tu dois être capable de comprendre. Puis d'accepter qu'il y a du monde qui t'aimeront pas. T'sais. Exact. Fait qu'il y a du monde qui vont te détester à mort, puis le monde qui vont raisonner avec ce que tu dis vont t'aimer à mort. Puis c'est ce monde-là, anyway, que tu veux. Right? C'est ce monde-là que tu veux rejoindre. Comme si on n'était pas sur Internet, on serait pas assis les trois ensemble aujourd'hui. Oh, c'est un peu comme ce qu'Éric Gravel disait. Il dit là, moi, c'est le monde, ils vont toujours me dire de mes haters, c'est comme, anyway, je ferais jamais affaire avec toi. Puis Éric, après ça, il a dit, tu t'es-tu déjà demandé si moi, je voulais faire affaire avec toi, anyways? L'affaire, c'est que même le monde qui font énormément d'argent, ils comprennent que dans la vie, en business, il faut que tu sois authentique. Puis écoute, tu vas avoir des haters dans la vie. Tu l'as dit tout de suite, là, t'en as peut-être un peu, mais plus que tu vas grandir dans ton cheminement sur les réseaux sociaux, plus que tu vas te rendre compte que si tu restes authentique, il y a du monde qui vont t'haïr puis du monde qui vont t'aimer. Puis ça m'apporte un petit peu à dire, ça m'amène à parler un petit peu du vidéo justement que tu as fait, que j'ai répliqué. J'aimerais ça que tu leur dises un petit peu devant nos téléspectateurs, puis tu dises pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui, ils donnent plus de sexe aux hommes? La question, puis personnellement, comme j'arrête pas de répondre à tout le monde, si t'as pas de sexe de ta femme, c'est parce que t'es pas capable de faire sentir que t'es un homme. Tu manques de drive, tu manques de quelque chose, ou tu prends pas soin de toi. Parce qu'il y a plein d'hommes qui veulent avoir du sexe, qui veulent se sentir masculin, qui aimeraient ça être un dieu par rapport à leur femme, mais qui sont pas capables d'être un dieu dans leur propre vie à eux-mêmes. C'est pour ça, dans le fond, mon service de coaching en développement personnel et physique. Parce que je crois fortement que le bien-être de quelqu'un, ça commence par le développement personnel. Okay. Parce que tu peux pas être bien dans ta peau si tu travailles pas sur toi-même. Tu peux pas être bien dans ta peau si tu n'as jamais senti... Peut-être le besoin de sortir un peu de la normalité. Puis encore là, je reviens aux vidéos. La plupart des hommes sont même pas capables de donner envie d'eux autres mêmes à leur femme. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. J'ai jamais vécu ça. Puis sinon, j'ai analysé beaucoup de mes proches qui vivaient comme ça. Mm-hmm. Ah, ma femme, elle veut pas baiser avec moi. Je regardais, j'étais comme... Oh, mais t'es laid, man. Sans vouloir dire que t'es laid physiquement. On s'entend. Quand je dis ça, OK, je parle pas des personnes qui peuvent pas changer leur apparence. Je parle du monde qui sont vraiment laides par le sexe. Attends, tu peux avoir une face de cul puis d'être shapé comme un dieu grec, par exemple. Puis de te prendre au moins soin de toi, de couper la barre, de faire quelque chose. Tu sais, je me considère pas comme étant beau, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui a finalement fait en sorte que je suis mieux dans ma peau. Ah ouais. Comme eux autres pourraient l'être. Mieux dans ta peau égale plus de confiance égale t'as plus de drive pour aller vers ta femme pour avoir et pas juste les femmes non plus, ça s'appelle le pouvoir de l'attraction aussi. Puis le problème avec la société dans laquelle on est, où est-ce que le monde se victimise, puis c'est tout le temps de la faute de quelqu'un d'autre, genre comme vous l'avez dit, oh ma femme veut plus coucher avec moi, ben c'est de ta faute mon gars, c'est pas de sa faute à elle, c'est toi, va essayer de creuser un peu, voir est-ce que moi je fais, si ma blonde veut plus coucher avec moi, moi, je vais prendre entière responsabilité. C'est moi qui fais quelque chose de pas correct. Mm-hmm. Peut-être que je me suis laissé aller, peut-être que, tu sais, je veux dire, justement, je faisais du sport, j'en faisais plus, ou je me laisse aller un petit peu trop aller dans le McDo, mais à un moment donné, viens pas chialer, viens pas mettre ça sur la faute de ta femme si elle est plus attirée envers toi. C'est ta responsabilité, là. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est toi, là, si tu serais dans la peau de ta femme, là, est-ce que tu voudrais coucher avec toi? Souvent, le monde fait comme moi, vu de même, non, là, tu sais. Mais ça, par exemple, est-ce que tu trouves pas, parce que toi, tu fais du coach, t'es un coach en développement personnel, pardon. Est-ce que c'est un problème que tu vois souvent, ça, que les gens se mentent à eux-mêmes et ont l'impression que, pas tout leur est dû, mais que leurs problèmes viennent de sources extérieures? My God, les victimes de ce monde, exactement. Tout le monde va essayer de blâmer quelque chose, quelqu'un, la température, la fatigue, tu sais. La plupart des... Là, je parle pour moi, pour ma business. La plupart des personnes qui réussissent pas sont les personnes qui trouvent des excuses puis qui se victimisent avec « Il fait pas beau un matin, je vais rester à la maison.
ou c'est trop dur, c'est trop dur. J'arrête pas d'expliquer. Tu peux pas créer quelque chose, que ce soit physiquement ou en développement personnel, tu peux pas créer quelque chose de concret si tu passes pas par des phases difficiles. Mmh. On a tous eu des phases difficiles qui a fait qu'on a travaillé sur nous autres mêmes, puis qu'on a bâti quelque chose qui finalement sortait de notre zone de confort pour la rendre notre nouvelle zone de confort, tout simplement. Ouais, c'est un peu comme, je sais pas s'il y a un dicton qui dit ça, mais si tu choisis la facilité puis les plaisirs éphémères, tu vas avoir une vie difficile. Exactement. Sur le long terme. Si tu vis de façon difficile, tu fais des sacrifices quand t'es plus jeune, tu vas récolter les fruits de ces efforts-là puis ces sacrifices-là plus tard. Puis c'est un peu ça pour revenir, je trouve, au niveau de la génération, c'est que c'est beaucoup de tu sais, on est vraiment au Québec une génération de party, il y a beaucoup de drogue qui se prend, puis c'est tout le temps comme YOLO, you only get one life, puis ça, puis après ça, genre rendu à 35, 40, 45 ans, t'as pas d'argent de côté, t'as pas investi dans l'immobilier, t'as rien fait, puis là tu commences, là t'es encore plus déprimé, tu sombres encore plus dans la drogue, plus dans l'alcool, puis c'est exactement là que tu vas commencer. Après ça, c'est de la faute de ci, de ça. Ouais. Vous êtes méchants, nous autres, on parle de ces affaires là souvent, puis le monde pense que, tu sais, à cause qu'on dit ces choses là on est tout parfait. Pas du tout. Si on dit ces choses là c'est justement on a été aussi victime, on y a été par là, tu sais, les problèmes d'alcoolique, de drogue, j'ai passé par là, tu comprends, de penser genre que c'est pas de ma faute si je suis pas en shape, c'est parce que j'ai des gros os, je suis passé par là avant que je sois en shape, tu comprends? De penser genre que je gagne pas, je sais pas moi, 100 000 par année parce que genre pour X raisons, genre, tu comprends-tu? On est tous passés par là, puis justement, on s'est parlé au téléphone toi puis moi, Eric, puis tu me dis une affaire l'autre jour comme quoi que, tu sais, toi, tu vas être dans la face du monde de même, puis tu vas être difficile avec tes clients d'un certain sens parce que tu expectes beaucoup d'eux autres, mais c'est pas nécessairement parce que toi, t'étais parfait. T'as passé, t'as eu des challenges dans ta absolument. Vie aussi. Puis t'as déjà eu une mentalité un peu victime aussi. Une mentalité merdique. J'ai été le pire des losers dans ma vingtaine pour pouvoir dire ça au monde. Ne tombe pas dans cet état d'esprit-là. Okay. Sinon, tu vas te détruire. Je l'ai fait. Je sais le processus de se victimiser, de trouver des excuses. Écoute, je voulais pas aller au gym à un moment donné. Ben, je suis fatigué, je fais rien. Mm-hmm. Je veux bâtir, mes ambitions sont là, mais je fais ça, puis là, je victimisais. Ah, ma famille, il n'y a pas d'argent. Peu importe, je tombais dans l'excuse. Je faisais pas ce que j'avais à faire. C'est pour ça que j'apprends à mes clients maintenant à bâtir les habitudes quotidiennes qui vont faire en sorte de pouvoir upgrader leur vie. Puis leur physique en même temps, c'est important. La question qui tue dans ce temps-là, à cause que tu avais une mentalité de même, t'avais-tu moins de sexe? À une certaine période de ma vie, ouais. Okay. Puis c'est qu'est-ce que je faisais? Je blâmais mon ex. Ouais, c'est ça. Hey, je suis passé par là, moi aussi. Puis honnêtement, c'est ça le monde. Parce que j'ai eu beaucoup de haters qui sont venus me parler pour me dire comme, hey, j'ai vu tes anciennes photos, tu sais. Tu talk shit contre les gros, mais t'as déjà eu une bedaine de bière. Puis je suis comme. T'es grossophobe. Je sais pas que je suis. Ouais, je suis grossophobe, Joël. Je suis grossophobe. Je suis comme, c'est pas que je suis grossophobe, c'est que je le sais que. Pour le trois quarts du temps, les excuses que les gros vont sortir, je le sais que c'est de la bullshit. Okay? À moins vraiment que tu as un problème de glande thyroïde, là, la plupart du temps, c'est pas ça. Là. On s'entend, la plupart du temps, c'est juste parce que you're eating like a fat piece of shit. Puis tu n'as pas de discipline. Puis écoute, je le sais, I've been there, done that. Puis je suis capable de le dire aujourd'hui, if you let yourself become fat, you're just a lazy ass fuck. Puis tu viens de m'allumer quelque chose. Il y a un mot, tu peux mettre genre... Fill the blank, shaming. T'sais. Comme, c'est comme mal vu de shame, ce qui veut dire de couvrir de honte, disons, pour la traduction française, quelqu'un parce qu'il fait des mauvais choix. Mm-hmm. Mais en fait, je pense que si on ramenait la honte, de couvrir quelqu'un de honte quand il fait vraiment quelque chose de pas correct, qui est même que ça va aller au détriment de sa vie et de sa santé, puis peut-être du bien et de la sécurité de ses enfants, je pense qu'on aurait... On aurait une société un petit peu plus prête à prendre ses responsabilités dans des choses ou des choix qui peuvent peut-être être difficiles. J'adore que tu dises ça, prendre ses responsabilités. Ah, mais si tu le sais pas, tu sais, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où ah, tu peux être grosse correct, go girl, c'est correct, tu sais. Tu peux faire le choix de manger tout ce que tu veux, d'être gros, puis après ça, le bonheur t'est dû. Ben, le mot-clé, si ça serait dire... Tu sais, c'est les gens qui te désirent pas sexuellement parce que t'es gros, c'est de leur faute à eux autres. C'est toi la victime. C'est comme, ben non, c'est toi qui es gros, fait que le monde te désire pas. Mais là, tu t'es fait dire toute ta vie que le monde devrait te désirer pareil puis qu'ils sont grossophobes parce qu'ils disent, tu sais, non, ça marche pas de même. Ça marche juste pas de même. Pourquoi que le monde qui essaie de
de nous faire croire que la normalité, ça peut être dans la normalité, pourquoi qu'ils ont autant besoin d'en parler? Mais ça, moi, je m'en crisse, là. Moi, je suis comme je suis. J'essaierai pas de te dire, Olivier, est-ce que tu trouves que je suis normal? Les autres sont tout le temps là à essayer de d'imposer leur. C'est un peu comme, tu sais, mettons les fat models, là, les modèles qui sont grosses, qui s'affirment, genre. En public, pis tout ça. C'est parce que le mot-clé ici, c'est fierté. Le problème dans la société, c'est à place d'avoir d'être fier de tes accomplissements, il faut que tu sois fier de comment t'es. Il faut que tu sois fier de ta médiocrité. Même mettons. Si t'es médiocre, puis même ce que t'accomplis, c'est vraiment pas difficile, genre devenir obèse. Exactement, c'est comme je suis fier d'être gros. Même quand on peut même parler, mettons, je veux pas trop aller là-dessus, mais la fierté gay, tu sais, c'est comme c'est pas un accomplissement être gay, c'est une orientation sexuelle. J'ai rien contre que tu sois gay. Ça fait partie de la sphère. Je m'en fous avec qui tu couches. Non, mais ça devrait rester dans la sphère privée. Pourquoi comme ramener ça dans la sphère publique puis exposer ça à des enfants, c'est weird en Christ. C'est ça, c'est juste. C'est genre, la seule base, ton identité complète est basé sur ton orientation sexuelle, tu peux bien être bourré de drogue. Puis ils ont besoin de le dire. J'ai pas besoin de le dire, j'étais hétéro. Mais c'est ça, c'est juste de la fierté, selon moi, ça devrait être selon tes accomplissements. Vous êtes pas d'accord, guys? Ouais. C'est ça, c'est les accomplissements. Ça revient à ce qu'on a déjà dit sur un podcast à un moment donné qu'on disait que, tu sais, la dépression, là. Dans le fond, c'est quoi vraiment la dépression? C'est pas justement un système d'alarme que ton corps t'envoie pour te dire que à quelque part dans ta vie, t'es médiocre. Il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, ben moi, j'en ai eu des passes dépressives, puis je pensais que j'étais anxieux. Le psychologue m'a dit: Ah non, t'es pas anxieux. Il va falloir creuser plus loin. Puis là, j'ai fait attends une minute. C'est sûr que lui, il a pas intérêt à me dire ce qui va mal tout de suite avec moi parce qu'il va falloir moins d'argent. Fait que là, tout ce monde-là, des psychologues, des psychiatres, puis ça, je suis comme. Non, il y a quelque chose dans ma vie que je fais pas correct. Dans ce temps-là, je m'isolais un peu plus, je commençais à consommer de l'alcool, tout ça. Puis j'ai juste arrêté de faire ça, j'ai commencé à m'entraîner. Puis comme par magie, je me sens mieux, tu sais, parce que si tu t'entraînes, tu pompes ton système sanguin, ça te donne de l'endorphine, tu te sens mieux. Si tu te sens mieux, t'es moins déprimé. Si t'es moins déprimé, tu vas faire les meilleurs choix. Si tu fais des meilleurs choix, tu vas vivre une meilleure vie. T'sais. Je veux dire, c'est tout un. C'est un effet domino. Il y a un de mes mentors qui disait la dépression, l'anxiété, c'est des notifications internes qui. C'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme que ton corps t'envoie pour te dire t'es peut-être comme. T'aimerais pas être. Eric, les compagnies pharmaceutiques veulent pas que tu penses comme ça parce que sacrément qu'on en a des antidépresseurs à prescrire. C'est payant. Ce qui est payant, exactement, c'est comme le cancer, ils ont probablement une cure pour le cancer, mais c'est tellement payant, c'est tellement une grosse business que pourquoi ils nous la donneraient? C'est le même principe pour la dépression. Pourquoi est-ce qu'ils nous diraient hey, va faire du sport, prends tes responsabilités, justement, fais de la méditation, whatever. Pourquoi ils nous diraient ou bien prends des suppléments, même prendre des suppléments naturel. Pourquoi ils nous diraient ça, les médias, quand justement, pas les médias, mais je veux dire, ben, les médias qui sont subventionnés par les compagnies pharmaceutiques, là, je parle pas de tous les médias. Par les gouvernements qui, indirectement, les Exactement. Mais tu sais, justement, c'est une business, c'est une mafia. Ils font tellement de cash, man, que du monde dans ton industrie, comme les coachs en développement personnel puis les coachs en fitness, surtout, pour eux autres, c'est des plaies, là, vous êtes leur ennemi. Là. Ils voulaient pas, d'ailleurs, t'es-tu au courant de ça, Eric? Ils voulaient pas... Il n'y a pas un projet de loi qui était sur la table pour essayer de rendre l'accès aux médicaments, tu sais, tout ce qui est naturel, là. Oui, j'ai déjà entendu ça à un moment donné. Plus difficile, tu sais, de couper l'accès ou de rendre plus difficile l'accès à des remèdes naturels et tout, là. Comment vendre ta propre marde en empêchant les autres de vendre, finalement, ce qui pourrait peut-être fonctionner? Ouais, mais parce que eux autres vont dire, ouais, mais c'est pas réglementé. Santé Canada a pas mis son checkmark là-dessus. Sauf qu'en même temps, les gouvernements puis les médias ont poussé tout le monde à se faire vacciner avec une cochonnerie qui est en train de donner des crises cardiaques à tout le monde dans les trois dernières années. Tu sais, fait tu sais, je veux dire, à un moment donné, on voit qu'il y a carrément des intérêts, puis il y a des gens qui sont puissants, qui ont certains intérêts. Puis si une, tu sais, peut-être une business qui est peut-être un petit peu plus marginale commence à monter en popularité, ben tu sais, ils essaient de mettre des bâtons dans les roues là-dedans par tous les moyens. Mais toi, t'as pas l'impression un peu, je sais pas toi si t'avais pensé vendre des produits. Honnêtement, de santé. Je vends des habitudes quotidiennes. Mais est-ce que tu voulais aller dans le produit? Mettons, parce que là, on a pas tant, parce que peu importe. Ça peut être une bonne addition. Moi, si j'étais comme coach. Ça peut être une bonne addition, mais honnêtement, au début, quand la personne commence, il y en a souvent de mes clients qui me demandent: je devrais-tu prendre des suppléments? Je leur dis: ça fait combien de temps tu suis ton plan alimentaire? Ça fait 2 semaines. Non, on prend pas de produit. Ça fait 2 semaines tu le suis. Déjà, règle ton plan, ta façon de manger. Ouais. Gère tes macros, puis à un moment donné, passe une couple de mois, tu sais, le monde n'a plus de patience. Ils veulent avoir la pilule miracle, la recette miracle. Mais dans le fond, le miracle, c'est la constance. Tu fais des habitudes quotidiennes pendant une certaine période de temps,
t'échanges pas, tu restes, tu stick to it, puis bang, à un moment donné, ça arrive. C'est ça, il y a du monde qui pense, hey, si je commence, admettons, un stéroïde, là, si je vais-tu être en shape comme toi bientôt, ce monde-là, ils n'ont jamais pris une marche le matin, là, tu sais, comme Alice. Ça revient à, comme on disait, c'est la fameuse pilule magique. Ouais. Ben, tu penses pas, justement, à la prochaine question, qu'on est dans une génération qui est un peu micro-ondes, voulant dire, je veux tout cru dans le bec, rapidement, je veux pas travailler, je veux pas mettre les efforts. Tout cru sans rien faire. C'est exactement la bonne façon de le voir. Ça prend une pilule magique. Ouais. Moi, quand j'étais coach, je l'ai été d'une façon très brève, là, genre 2016-2017, peut-être jusqu'à 2018. Je me souviens, là, c'était tout le temps comme « Hey, tu me conseilles quoi comme stéroïde? Tu me conseilles quoi comme stéroïde? » J'étais comme « Sacrément! » Moi, j'avais jamais touché à ça de ma vie, là, des stéroïdes. Et moi, j'aurais pas été apte à conseiller personne là-dedans. Mais j'en revenais pas à quel point le monde il voulait ça rapidement. Puis c'est comme « Hey, c'est combien de temps? Moi, ça fait que je m'entraîne naturellement pour avoir les bras que j'ai ou whatever. » C'est comme « Get a fucking life! » Les autres, ils pensent que tu vas prendre un cycle, puis dans deux semaines, bang! T'es rendu pareil comme toi. Ben, c'est ça. Il pense tout ça. Puis, écoute, à un moment donné, je m'assinais avec quelqu'un sur Internet. Il disait, écoute, je t'en paye un, c'est. Je vais t'en payer un. Entraîne-toi pendant une couple de mois, je t'en paye un, là. Puis, il se trouvait d'autres excuses. Pas le temps pour ça. Moi, je travaille 50 heures semaine. Qui travaille pas 50 heures semaine? Il y a vraiment du monde qui pense qu'en commençant à se faire des fixes de stéroïdes sans mettre les efforts physiques, ouais, ça va vraiment changer quelque chose. Tu prends des stéroïdes, tu manges mal. Tu prends des stéroïdes, tu manges pas assez. Tu veux que tes stéroïdes pas. Font quoi, man? Rien à faire. Ah, mais si tu dis ça, il réagit comment? Des fois, il arrête d'écrire. Ils sont comme, ou ils tombent dans un autre excuse, ils savent plus quoi dire. Ah, mais ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que quand t'es coach à un moment donné, puis tu veux rester authentique à ton approche, c'est sûr qu'il y a des clients que ça va te déplaire. Il y a des clients qui vont dire, hey, j'aime bien les vidéos que t'as faites sur TikTok, fait que j'aimerais ça que tu me coaches, puis tu m'en as même parlé un peu l'autre jour, là, puis après, ils décrochent parce qu'ils te trouvent trop sévère. Correct. Qui décroche, pas aimé. Ouais. Allez voir quelqu'un qui va vous flatter dans le même sens du poil, puis que finalement, tu vas retrouver dans un an, deux ans, t'auras rien. T'auras pas de résultat, ouais. Après ça, tu vas chialer. Moi, j'ai pas eu un assez bon service. Ils disent qu'ils veulent se faire pousser dans le cul, mais exact. Ils savent pas c'est quoi se faire pousser dans le cul. Ils disent tout ça. Moi, ouais, je suis pressé là. Il faut qu'on me pousse dans le cul, puis finalement, quand ça arrive, tu fais comme, ok, bon, t'as pas la drive qu'il faut. Va voir quelqu'un d'autre. T'en reviens dans un an. Il y a une fille dans mes clients qui est revenue comme ça. Elle me détestait. Elle m'envoyait des courriels, de la merde. Puis elle est revenue récemment. Elle est revenue récemment en me disant « T'avais raison. » Je suis comme « Wow, je pensais plus Attends, jamais. » Par contre, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose puis on l'a expérimenté, Joël et moi, avec nos blondes. Comme quoi, l'approche du coaching en exercice physique pour les femmes et pour les hommes, c'est pas la même approche qui fonctionne pour un sexe ou pour l'autre. Les femmes ont besoin de se faire prendre avec un petit peu plus de pincettes. Tu sais, les gars, là, dans l'armée, de dire « go, estipif, vas-y, entraîne-toi » puis de se faire donner des coups de pied dans le cul, je pense que les hommes comprennent mieux ou évoluent mieux avec ce type de traitement-là que les femmes. S'ils sont prêts, ouais. D'accord avec ça. Ben aujourd'hui, il doit y avoir un hostie de gang qui sont pas prêts. Qui sont pas prêts. Comparé à dans l'époque de nos grands-parents, parce qu'ils l'ont connu la guerre, peut-être ça. La majorité du monde sont pas prêts. Aussitôt, ils tombent dans des excuses où t'étais rendu une menace pour eux autres. Là. Ah, toi, on sait bien, t'es comme ça. Ta gueule, fais juste le faire. C'est ça, je leur dis, arrête de te plaindre, fais-les. Puis en plus, c'est sûr qu'ils se plaignent justement que toi, tu vas être trop sévère ou quoi que ce soit. Mais ils étaient contents au début, pendant l'évaluation. Là, c'est exactement ça que ça me prend. Puis moi, je leur dis, là, tu suis pas pendant une semaine. Je vois que tu n'as rien rentré au dossier pendant une semaine. Je te bloque ton dossier. Comme ça, tu n'as pas le choix de me rappeler et me dire, hey, mon dossier est bloqué. Fait que là, faut que tu sois quand même à l'aise de le faire. Là. Fait que là, si tu bloques le dossier, fait que lui, il faut qu'il te rappelle. Puis là, il va falloir qu'il donne des excuses. Ben, genre, pourquoi il a pas fait ça? Puis toi, tu vas l'engueuler comme un puis j'engueulerai pas tant, mais après ça, il est. Non, mais bro, c'est ça qu'on a besoin, sérieux. Ouais, mais c'est ça qu'on a besoin. Façon. Si s'il comprend pas, par exemple, s'il tombe dans les excuses, je vais dire, hey, tu m'as connu au début. Penses-tu que j'accepte les excuses? J'accepte pas les excuses. Même ma copine, des fois, elle doit me trouver plate là-dessus, mais j'accepte pas les excuses. Puis ça, ouais. Puis ça fait un parallèle aussi. Okay, parce qu'elle, te donne-tu des excuses? Une fois de temps en temps. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Puis je leur place, je dis non, moi c'est non, c'est ça, j'aime pas ça. Tu laisses pas de passe? Non. Pas du tout. Hein. Ça? SOS, violence conjugale. Ouais. Non, mais ça, c'est vu physique. Là, les gars, le bout à c'est comme, hey chérie, ça fait comme 6 mois qu'on s'entraîne, qu'on travaille. On peut-tu écouter Netflix à soir? Pas soir. Non, on va va t'entraîner. Ben, en fait, puis là, on peut faire un parallèle avec ce qu'on dit souvent dans les podcasts, c'est que c'est important autant dans sa vie personnelle
que les clients qui t'abordent puis qui commencent à faire affaire avec toi pour tes services, c'est de mettre les standards et les limites, ou ça va être quoi dès le début de relation? C'est tout le temps ça que je fais. De client. Exact. Dans le fond, là, ma première appel, vidéoconférence, est enregistrée. Ils peuvent pas dire « Ah, tu m'avais pas dit ça. » Il y en a des fois qui me disent ça. « Tu m'avais pas dit ça, je vais t'envoyer le vidéo sinon. » Je dis ça à tout le monde. Puis là, en plus, quand ils reviennent dans mon service après, quand je les mets encore dans la plateforme, après leurs premières excuses, je leur dis « Ton deuxième fois, après ça, t'es out. » Après ça, c'est out, non remboursement, t'as signé le papier, tout est correct. Une question pour toi. Vas-y. T'as-tu été dans un militaire? Non, aucunement. Non. Écoute, je sais pas d'où ça vient, honnêtement, Joël, parce que dès l'âge de 9 ans, j'étais tout seul à la maison pendant que mon père travaillait de nuit. Ouais. Fait que j'ai comme jamais eu d'autorité envers moi, pour vrai. C'est bizarre, là-même. C'est bizarre, okay. Mais il doit avoir un élément déclencheur. Tu dois avoir un élément déclencheur. Tu dois avoir à quelque part, même si l'autre jour au téléphone, tu voulais pas me le dire, mais tu dois avoir un mentor qui t'a fait que, genre, à un moment donné, t'as fait comme écoute. Je veux pas le dire. Honnêtement, un des mentors qui m'a fait changer ma vision un peu plus, puis qui m'a peut-être permis d'être à l'aise avec la façon que je pensais, c'est Wes Watson. Ce gars-là, c'est un stoïque vraiment beaucoup. Puis, dans ses vidéos, je me suis reconnu envers lui. J'ai fait comme, OK, si lui, il dit ça, puis si lui, est 100% lui-même, ouais. Ça veut dire que j'ai le droit de le dire aussi, puis j'ai le droit d'essayer d'aider du monde, comme moi, qui vivent dans le fond, dans l'ombre un peu, en pensant différemment, mais qui pourtant, ma façon de penser est mieux que la majorité du monde. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je dis mes trucs en ligne. C'est pour ça que, moi, je trouve pas que je suis rough, honnêtement. Je trouve que je suis vrai, juste réaliste, lucide, finalement. Voilà, bienvenue au Lucide Podcast. Ouais, bienvenue au Lucide Podcast. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, la raison pourquoi on est ici puis que le Lucide Podcast est on the road en ce moment, comme on l'a déjà dit, c'est parce que le studio il est vide, on déménage. Il y avait une tour. En tout cas, si vous croyez pas à ça, c'est votre problème. Mais moi, avec l'expérience que j'ai, je te garantis que si tu habites à côté d'une tour 5G, tu vas avoir de la misère à dormir puis tu vas te lever à 3h du matin. Est-ce que c'est garanti? Parce que, comme je l'ai dit, toi, tu le sais peut-être pas. À chaque fois que je voyage, je dors mes 8 heures. Je revenais chez nous, j'ai un tabarnak, debout à 3 heures du matin, comme. Oui, ça affectait ton humeur aussi, man. Tu dors pas, tu couches à 11, tu te réveilles, genre, comme si t'avais atteint un micro-ondes à 3 heures du matin toutes les nuits. Je faisais une nuit de 8 heures à toutes les deux semaines. Puis là, j'ai rencontré ma blonde, puis à un moment donné, tu sais, elle habite un peu de même dans un demi-sous-sol. Comme « Chris, j'ai plus de misère à dormir là. » Fait que bref, longue histoire courte, là, on n'est plus dans le studio, fait qu'on est un peu sur la route. Puis aujourd'hui, on est dans le sous-sol de quelqu'un chez qui la personne qui a fait l'entrevue à la chaîne de médias qu'on peut pas nommer non plus. Moi, ça me tentait pas de faire ça parce que, pour une panoplie de raisons, écoute, je sais que ces gens-là sont pas nécessairement méchants ou sont pas mal intentionnés, mais je sais c'est quoi le résultat final de ce documentaire-là. Ça va être... ils vont te montrer comme étant le genre d'énergumène qu'on doit essayer de comprendre. Puis eux, ils vont se mettre tout le temps sur un genre de piédestal idéologique. Ouais, comme, qui sont ces masculinistes? Puis là, ils essaient de te comprendre puis de te diminuer. All right, c'est ça. Moi, je voulais laisser la chance aux coureurs. Puis je me dis, c'est vrai, c'est sûr que le média en question, qui est un mainstream média, là, va probablement me faire passer pour un énergumène. Mais honnêtement, le monde qui comprennent ma mission, le monde qui comprennent ce que j'essaie de faire, le savent déjà que les médias font ça, puis ils vont juste... Ouais, mais l'enfer, c'est que le ça va peut-être m'ouvrir les portes aussi. Les auditeurs de ce média-là qui vont regarder ce documentaire-là, c'est du monde qui sont pas d'accord avec toi. Ça touchera même pas personne qui va être d'accord avec toi. Non, mais ça, même si ça... Ces gens-là, tu vois, c'est des astis fucking moutons. C'est comme le monde qui écoute justement du Rocher, tu sais, c'est pas du monde qui pense comme nous autres, mais ça a circulé partout sur Internet. C'est quand même du monde... Tu sais, c'est quand même... C'est, mettons, ma mère, elle va écouter ça. Elle va se laisser avoir par la petite musique dramatique, eerie music, genre, qui sont ces masculinistes qui augmentent les cas de féminicide. Puis là, tu vas avoir de la musique, genre, de film d'horreur en arrière. Ça va être ça, bro. Ça va être cheesy. Ça va être ça, le résultat final. Ça va être bien plus cheesy que ça, moi, je suis sûr. Probablement. Mais bref, fait que tu sais. L'affaire, c'est comme je te dis, c'est pas eux individuellement en tant qu'individu, c'est du monde qui font le super job. Non, whatever. Ça se peut même qu'il y en a qui dans la team, dans l'équipe qui soit d'accord avec toi. C'est juste en haut, tu sais très bien qu'ils vont vouloir
Ah, ouais, ouais, que toi, t'es un danger, t'es un homme qui porte ses couilles, 100%, qui man, dit tout ce qu'il pense, qui s'est pas fait vacciner, qui était qui criait haut et fort pendant le COVID que c'était un esti d'arnaque. Aujourd'hui, c'est crissement évident que c'est un esti d'arnaque, mais eux autres, ils feront ce qu'ils ont à faire, honnêtement, puis ça, je vais te dire ton expression, ça me coule comme de l'eau sur le dos d'un canon, man. C'est pas la mienne, mais je l'utilise. Non, mais c'est parce que tu l'utilises souvent. Je sais que c'est pas ton expression. Mais bref, moi, j'ai juste, à un moment donné, je voulais juste plus donner aucune, comme, espèce d'attention. Même la petite attention que je leur ai donnée, là, pour moi, c'est trop. Là. C'est comme. Ouais, mais tu sais. C'est comme juste de devoir justifier qu'est-ce qu'on fait, puis. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est les fucking lives, man, qui m'intéressent pas, puis il y en a plein qui m'invitent à faire des lives sur TikTok. Tu sais que toi, tu en as fait un, là. Avec Marie-Max. Mais la raison pourquoi ça m'intéresse pas, c'est à cause, justement, de ce que j'ai vu. Parce que, calice, man, que c'est juste de la cacophonie, man, ces affaires-là, man. Ben, c'est pour ça que j'ai. Ça m'a plus tenté d'en faire après ça. Là. C'est quoi le live? J'étais en vacances. T'as jamais fait ça? J'étais en vacances, puis là je scrollais, puis là je voyais Marie-Maxime qui venait juste de partir. Tu sais, il y avait genre déjà 1000 quelques personnes sur le live. Là, moi je marque juste un commentaire parce qu'elle chialait encore qu'elle était pas capable de se trouver un homme, whatever. Fait que je suis comme, ouais, mais c'est sûr, je sais même plus que j'y ai dit, mais ça l'a comme. Ça l'a vraiment comme trigué. Hey, ben, puis après ça, elle m'a dit, oh, les gens, parce qu'elle nous connaît depuis un bout. Elle nous a attaqué de pédophiles, man. Nos blondes sont dans la mi-vingtaine. Oh! C'est vraiment, là. Anyways, c'était juste beau, là, après ça, elle, c'est son live. Fait qu'elle a le choix de faire ce qu'elle veut. Fait qu'elle invite deux autres personnes qui sont là pour mentir. Fait que ça sert à rien. Là. Puis là, ils sont comme trois contre toi. Puis je l'avais démoli, par exemple. Mais en tout cas. Ça, t'as pas, en fait, ça a l'air que tu peux faire de l'argent aussi avec les lives. Hey! Celui de Marie-Maxime, j'ai fait 75 cents. Oh! C'est le début d'un business. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé 75 cents. Il y avait 4000 personnes, puis j'ai eu 75 cents de cadeaux sur TikTok. Hey, quelle perte de temps. 3 fois 25 cents. Oublie ce que j'ai dit. C'est... US, par exemple. US. Ouais. C'est une pièce. Une pièce cadre. Ouais, tout ça pour un live. Mais tout ça, je pour m'être obstiné, puis je suis sorti de là avec un mal de tête. Fait que bref, tu sais, c'est pour ça que toi, qu'est-ce que t'en penses, mettons, de l'attention des médias, puis de leur clair. Tu sais, c'est clair l'intention de ce qu'ils vont faire avec le footage qu'ils ont avec Joël. Honnêtement, moi, pour les vues, je trouve ça correct. Que ce soit de la bonne intention, de la mauvaise. Si je peux avoir de la mauvaise, puis tirer un pourcentage de personnes que je peux aider, pourquoi pas? Puis le reste, honnêtement, je m'en crisse totalement. Faudrait que ça puisse rouler sur le web, par exemple. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. C'est pas pour les gauchistes pis les baby boomers qui regardent ce média en tant que tel. Je le sais que ça va juste être du monde qui sont en désaccord avec moi. Mais je le sais que tout comme Sophie Durocher, ça a fini sur le web, ça a été circulé partout sur le web. Fait que je me dis, regarde. Pas la deuxième, par exemple, parce qu'elle était. On n'a pas rocké la deuxième. On était trop politically correct. Ouais. Ben, c'est parce que moi, j'étais en République Dominicaine dans la deuxième entrevue, puis je venais juste d'avoir une grosse insolation, puis je filais vraiment pas. Fait que j'étais pas en mood de débattre. Là. Fait que, tu sais, j'ai été très. En plus, c'est que. Puis elle savait ce qu'elle faisait parce qu'en intro de l'entrevue, elle était comme, ouais, vous voyez, les gars, on peut se parler. Puis là, les gars nous ont demandé une deuxième entrevue, puis j'étais contente parce que j'aime le dialogue. Fait que, tu sais, essaye d'aller, genre, la défoncer après, tu sais. Parce que ce monde-là, ils savent en esti ce qu'ils font, là, tu sais. Ah ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'ai essayé à m'amener à dire, ouais, mais pourquoi une femme peut pas être pompière? Puis moi, j'étais comme, non, une femme devrait jamais être pompière. Tu sais, j'essayais comme de créer un peu de polémique, là, mais. Parce qu'évidemment qu'une femme devrait pas être pompière. Justement, on va parler de ça, Eric. C'est évident qu'une femme devrait pas être pompière. Ce que tu fais, mais toi, tu penses. Je vois Chloé, Eric. Ce que ça devrait être, la dynamique un homme puis une femme, pour justement qu'il y ait de l'harmonie dans le couple, puis que ça soit pas la cacophonie, puis que justement la vie sexuelle soit épanouie. C'est quoi que ça prend comme énergie dans un couple? Est-ce que ça prend une énergie 50-50? L'homme, puis l'homme, il peut faire les mêmes tâches que la femme peut faire les mêmes tâches que l'homme, ou ça prend vraiment, il faut qu'on connaisse nos forces, nos faiblesses. Puis, tu sais, une femme doit être une femme, un homme doit être un homme. C'est quoi ton opinion là-dessus? Écoute, c'est pas vraiment pas pour être d'accord avec vous autres, là, mais c'est exactement ça que je disais à ma blonde depuis le tout début qu'on est ensemble. J'adore ton énergie féminine. Moi, je suis un homme, t'essaieras pas de me féminiser. Elle, drôlement, elle, c'est une femme. Puis j'ai même pas eu besoin de chercher une femme. Ça en est une. Puis c'est là que j'ai remarqué à quel point qu'être avec une femme féminine, c'est tellement moins compliqué. Ça va tout seul. T'as pas de challenge. Il y a personne qui essaie de... C'est con, mais moi, je suis un gars, je veux pas être brusqué. Tu sais, les filles, des fois, qui essaient d'être masculin un peu, qui essaient d'être brusqué, c'est comme... Oh, ouais, les filles qui ont un caractère, un gros caractère. Là, mais c'est moi qui n'ai pas envie de coucher avec elle. Mais qu'est-ce que tu penses des féministes sur les internets qui disent que si tu veux pas une femme qui a un caractère, c'est parce que t'es faible? Ils sont mal baisés.
C'est ça que je pense. Ils sont mal baisés. C'est parce que c'est le genre de femme. Ces femmes-là qui disent ça, c'est qu'elles essaient de te mettre la honte sur toi pour avoir tes préférences. Mais ouais. C'est parce qu'en fait, elles, ce genre de femmes-là veulent avoir le contrôle puis piétiner avec leurs talons, les couilles. Elle a besoin d'avoir de l'approbation. C'est aussi que ces femmes-là trouvent que les femmes qui sont douces, les femmes qui sont féminines, les femmes qui ont. C'est un danger pour elle. C'est les weaker links. Il dit, vous avez choisi les hommes, la weakest les plus women, faibles. Les femmes les plus faibles, comme si être féminin, c'est une faiblesse. Sauf qu'en même temps, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils reviennent lesbiennes. Ils sont célibataires à tout jamais. Ils reviennent lesbiennes, puis ils ont besoin de quoi? Un vibrateur. Oups. Deux, trois. Tu peux pas vivre sans phallus qui soit artificiel ou. C'est ça, non. Tu peux, c'est ça. C'est ça. Chris, dans le fond, même les lesbiennes, là, tu sais, ils ont des strap-on. Ouais. Ils peuvent pas vivre sans phallus. Si on fait des strap-on pour les femmes, me semble, ça vient de le dire. T'as fait un strap-on pour une femme. Ça fait que ça existe-tu vraiment, être lesbienne? Mais ça, c'est encore un. C'est encore un. Hey, tu sais, la fille. Faire crucifier. Tu sais, la fille Geneviève que je te disais, elle postait tout le temps. Tu sais, la fille, elle a peut-être. Je pense qu'elle a deux, trois enfants, elle est rendue peut-être dans mi-quarantaine, début quarantaine, puis elle pose tout le temps des affaires du genre un homme qui est éveillé et qui est dans sa pleine conscience ne va pas apprécier une femme pour son physique, whatever, mais par la connexion spirituelle que deux êtres. Elle a encore posté une affaire de même aujourd'hui, puis j'ai juste été écrit genre non, les hommes doivent quand même être premièrement attirés par le physique d'une femme. Exact. Et le reste suivra après. Ouais. Sinon, ce n'est que du charabia, ce que tu dis. Puis après ça, j'ai dit, je sais que c'est difficile à admettre pour les femmes vieillissantes que les hommes regardent en premier le physique, surtout pour des femmes qui veulent pas descendre leur standard. Parce qu'elle, c'est genre, elle a marié un gars quand elle était plus jeune qui avait bien de l'argent. Elle a fait des kids à ce gars-là. Fait que là, elle est bien avec la pension pis tout. Là, elle est rendue à 42 ans, elle a les mêmes... T'sais, elle espérait qu'un homme, comme elle était capable de se pogner quand elle avait 22, s'intéresse encore à elle après deux enfants rendus à 43. Puis là, elle essaie de changer la psychologie en disant « Hey, les hommes, c'est pas important. Tu es éveillé puis tu es plus loin dans ta conscience si tu ne trouves pas que le physique d'une femme, c'est important. Ouais. » Ouais, c'est comme « Bro. » Dans le fond, c'était ça mon commentaire. C'était comme « On va aimer ce qu'on va aimer. » Right? Essaye pas de nous convaincre que le physique c'est parce qu'il y a des stars, il y a quand même... Le monde n'aime pas qu'on généralise, mais il y a quand même des standards de beauté universels dans la société. Que ce soit pour les hommes et les femmes, probablement la symétrie du visage fait partie de standard universel. On peut chialer là-dessus comme on veut, mais c'est la vérité. Puis quand on regarde aussi le prime d'une femme, c'est quand même où est-ce qu'elle est la plus fertile, donc entre 19 et 24 ans. Donc, tu sais, on peut généraliser puis dire, OK, ben c'est ça qui est ça, mais ça veut pas dire en même temps que tu as des femmes dans la quarantaine, dans le fond, que c'est des bâtards. Je veux dire, j'ai couché avec des femmes dans la quarantaine, hein, je vais vous le dire. Là. Puis c'était super, super belle, mais en même temps, le monde va penser que, mettons qu'on dit, OK, mais t'as 45 ans, mettons, faut que tu descendes tes standards, t'as pas les mêmes, tu peux pas avoir les mêmes standards que la fille, mettons, qui a pas eu d'enfant, des affaires. Le monde pense que, vous dénigrez les femmes dans la quarantaine. Mais en même temps, Joël, ce que je pense, c'est, t'es-tu en train de dire au monde que parce que t'as pas pris soin de toi, puis que t'es rendu, mettons, une tout croche ou quelqu'un qui est rendu magané de la vie, mais ça, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Moi, j'ai pas pris soin de moi, mes standards devraient être là. OK, mais la femme qui a 48 ans, qui a pris soin d'elle toute sa vie, elle peut-tu se permettre d'avoir des standards plus élevés? Oui, certainement, mais aussi, de nos jours, une femme, mettons, de 48 ans, qui s'est réservée pour, mettons, tu sais, il y en a qui ont eu des enfants, puis que probablement qui ont juste un body count de 5-6, là, mais c'est rare, ça. Là. Très rare. Ça fait partie d'une rareté, fait que là, ça rentre que... On généralise quand même. Exact. Fait que si toi, tu te sens visé dans le message, mettons qu'on parle de ça, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à te reprocher. Comme j'ai des femmes qui sont venues me voir, là, qui sont dans la cinquantaine, puis qui disent. Puis qui s'agissent sur autre chose. Ce que tu as dit, j'ai pas aimé ça, mais je le sais que ces femmes-là ont couché avec 300 gars. Là, en fait, toutes les haters, on touche une corde. Je veux pas, tous ceux qui sont pas contents des commentaires, c'est comme. On touche une corde, parce que sinon, ils sont encore loin de mon aide. T'as besoin de mon aide. T'es un client potentiel. Arrête de chialer là. Viens dans mon inbox, on va en parler. Tu sais, dans le fond, là, il y a un fond de vérité derrière toutes les jokes. Puis Chris Rock a fait une joke à un moment donné, puis il y a un fond de vérité derrière ça. Il dit, le monde, là, il me pointe tout le temps du doigt parce que je sors avec des petites jeunes de 25 ans. Chris Rock, il a quoi? Fucking 55 ans, là? Tu comprends? Ouais, peut-être 45. Non, 45. Il est plus vieux que ça, Chris Rock, là. Il jouait dans... Ben non, il est plus vieux que ça, je suis pas mal sûr. On checkera tantôt, anyway. Chris Rock, il se fait pointer du doigt parce qu'il sort avec des petites jeunes de 25 ans. Il dit, Chris, il dit, j'ai essayé, là, les femmes de mon âge, là, mais Chris, il faut que j'amène leurs enfants à l'école pour les rendre heureuses, faut que je refasse le toit de leur maison, puis tout ça. Puis la petite jeune de 25
35 ans, j'achète du Starbucks, puis elle est contente. Ouais, exact. Mais comme quand toi, tu dis que les femmes un peu plus jeunes, qui ont moins d'expérience, ont plus la petite naïveté, malgré qu'ils aiment pas les gens qui nous critiquent, qui aiment pas le mot naïveté, mais il n'y a rien de mal à ça. C'est trouver la vie belle, être facile à vivre. Ouais, être facile à vivre. Et c'est pas nécessairement ça. Parce que tu prends de l'âge que cette magie-là s'en va nécessairement. Exact. Sauf si tu t'es tapé 300 queues. Puis la plupart des Québécoises, ben, ils vivent dans une société qui est une société de liberté sexuelle. Ça. Fait que c'est sûr que la fille de 18 ans a peut-être déjà couché avec 50 gars. Fait qu'imagine la fille de 50. C'est rendu spécial, hein? C'est rendu spécial. Mais tu sais, il y en a, par exemple, qui se sont réservés. T'sais. Si elle s'est réservée, good, mais tu devrais pas te sentir visé par notre message, par exemple. Si tu te sens visé, c'est que tu sais qu'à quelque part, c'est vrai. C'est check Leonardo DiCaprio, tu sais. Ce gars-là, c'est le pin. Tu sais, sa blonde, là, il a fait les manchettes dernièrement parce que sa blonde, elle a 19 puis il s'expose publiquement avec. Il y a du monde qui comprennent, qui dit You do you, boy. Tu sais, la même version que ce que les filles se disent, genre, quand, go girl, tout ça, la version masculine. Puis il y a ce qu'il y en a qui aiment pas ça, mais qui trouvent qu'ils vont te sortir des affaires comme perv, puis ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, le gars, c'est comme le top. Top, même si physiquement, non, mais en termes de statut social, c'est le top, top, top. Léo, man. J-Lo avait pas fait ça. Leonardo DiCaprio. J-Lo a pas fait ça, sortir avec des petits jeunes. Pis, mais les autres sont pas critiqués, c'est des non, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est que quand tu prends ces exemples extrêmes-là, puis il y a du monde qui nous dit non, mais tu peux pas comparer. Oui, c'est un très bon exemple. Parce qu'on prend, un homme qui est au top de l'échelle sociale, puis ça prouve que quoi? Est-ce qu'il choisit des femmes de son âge 46-47? Non, il se pogne des petites jeunes de 19-20. Parce que lui, il a les options, puis ces femmes-là sont attirées par lui parce que c'est quelqu'un. Ben, c'est les femmes comme Madonna qui sont extrêmement masculines font exactement la même chose. Là. Ils se pognent des petits jeunes de 20 ans. Ces gars-là vont se les taper une coupe de. Il n'y a pas possibilité d'avoir rien à long terme de Madonna qui se pogne un petit jeune. Il fait juste profiter du cloud de sortir puis de baiser Madonna un peu, puis à un moment donné, il va se taper une jeune avec. Ben, elle aussi. Si c'est un danseur sexy, puis tout. Elle aussi, c'est probablement ça qu'elle va faire. Ouais, elle veut plus rien de sérieux. Fait que c'est donnant. Oui, anyway, bien le monde juge ce genre de relation-là, mais elle a ce qu'elle. Mettons la fille, on pourrait revenir à Lio, là. La petite fille, elle a ce qu'elle veut, elle prend du soleil sur des yachts, elle se fait tout payer, puis lui, ben, il profite de l'argent, il a ce qu'il veut, fait que c'est un échange transactionnel consentant là, entre deux adultes. Mais Eric, est-ce que tu penses qu'une relation comme une business, c'est transactionnel? Non. Moi je trouve que ça devrait pas être transactionnel. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans mon expérience à moi que quand je gère mes clients comme des relations au lieu que des transactions, ça va beaucoup mieux. Puis même chose, quand quelqu'un m'approche pour faire affaire avec moi, s'il me prend juste comme une transaction, j'ai payé, j'ai droit à deux, moi c'est fuck you, non? Moi, c'est là que je serais en désaccord avec toi. Je pense qu'une relation saine est transactionnelle comme une business serait transactionnelle. Je pense que les deux doivent s'apporter quelque chose pour que vous soyez épanoui. Pas sens... 100% transactionnel. Non, mais dans le sens que tu sais, il y a le côté émotionnel, bien évidemment, si t'es pas en amour, t'as un problème. Là. Faut que tu sois en amour, mais il y a un côté transactionnel dans une relation, tu comprends? Si toi, dans le fond, tu donnes, puis tu reçois pas en retour, tu vas être épuisé, puis à un moment donné, tu seras plus en amour, là. Fait que oui, il y a un côté transactionnel dans une relation. Ça, on l'avait dit à un moment donné, puis on s'est fait rentrer dedans pour l'avoir dit. C'est pour ça que. Une relation, c'est pas une transaction. Ah ouais, mais parle-moi-en donc, quel genre d'homme tu veux, genre 6 pieds 1 avec de l'argent qui fait plus que 200 000 par année. C'est pas une transaction, une relation. Puis, là, tout d'un coup, quand c'est viré vers elle, le petit plombier. Junior, là, tu sais, apprenti qui fait genre 40 000 par année, il est moins intéressant finalement. T'sais. Fait que tu sais, même. Les femmes étant hyper gamme en majorité. Mm-hmm. C'est un peu transactionnel. C'est transactionnel. C'est un loser, elle veut rien savoir de toi. C'est un risque. Tout comme une business, c'est un risque. T'sais, quand tu pars ton entreprise, c'est un risque. Quand tu pars une relation, c'est un risque aussi. Là, surtout si, mettons vous n'êtes pas 50-50 puis vous voulez comme. Toi, tu veux prendre ton rôle masculin, ta blonde, elle prend son rôle féminin, puis c'est toi le pourvoyeur principal, OK? Bon, elle, dans le fond, si elle décide d'arrêter de travailler, ben elle prend un risque, genre, dans 15 ans, si elle travaille pas, elle fuck, là, mais tu comprends, c'est un risque calculé pareil, parce qu'elle, dans le fond, elle t'analyse avant de sortir avec toi, puis elle fait comme, OK, moi, je prends le risque avec lui, parce que je pense qu'il y a des bonnes valeurs, il y a des valeurs à la bonne place, puis tout ça, mais ça reste que c'est... Tout est risque, man, que ça soit relation, que ça soit business, puis c'est transactionnel à 100%, mais ça aussi, encore là, c'est très tabou de dire ça. Là. C'est sûr que c'est un risque.
En fait, toutes les relations, c'est un risque pareil. On peut pas prédire qu'est-ce que la personne va être, va devenir, surtout dans combien de relations, que je sais pas pour toi, mais dans combien de relations j'ai été moi, puis était bonne vendeuse au début, puis finalement, je me disais, OK, t'es rendu où, t'es qui maintenant? Ouais, mais c'est un risque quand même que t'as pris, puis c'est un risque qu'elle, elle a pris, puis peu importe la raison pourquoi ça a pas marché tes anciennes relations, c'est quand même un apprentissage. Ouais, puis à un moment donné, c'est parce que tu prends aucun risque, que ce soit en, dans ta vie en général ou avec tes relations, tu t'avances juste pas. Tu vas être le genre de qui est dépressif. Tu vas être encore là dans nos commentaires. Le plus gros risque, le plus gros risque dans la vie, je pense, c'est de rien calisser. Là. Ouais. En tout cas, c'est le plus gros risque. Tu le regrettes, rendu, c'est long, mais tu finis par le regretter. Quand tu vas être sur ton lit de mort, après ça, les regrets que tu vas avoir, là, c'est un crise de risque. J'aurais dû. J'aurais-tu dû, ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais dû. Ah, oh, j'aurais donc, j'aurais aimé faire. Ta gueule, t'as même plus le droit de le dire. Non, mais rendu là, t'as plus le droit de le dire. C'était gaspiller ta vie dans l'excuse. Ta gueule. Ouais. C'est de ta faute. C'est prends ta responsabilité. Faute. T'as été quelqu'un qui trouvait des excuses toute ta vie. Fait que maintenant, c'est ça. T'as pas réussi à accomplir tes rêves ou une fraction de ceux-là, ben, parce que tu voulais pas prendre le risque de X. Ben. Puis toi, parlant de rêves, c'était quoi quand t'étais jeune, Eric? On parle de quand t'étais enfant. Là, oh, t'avais-tu des rêves, des visions qu'aujourd'hui tu peux dire comme OK, je suis en train d'accomplir ça? Oui. Ouais, comme au niveau d'être et non d'avoir. Moi, dans le fond, je voulais devenir un drôlement. Okay, c'est pas passé le podcast encore. Je voulais devenir un mâle alpha à ma façon, à ma vision d'être un mâle alpha. C'est quelqu'un, quoi ta vision d'être un mâle alpha? Justement, quelqu'un qui est en contrôle mentalement, physiquement, puis financièrement. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai eu beaucoup de développement personnel sur moi-même pour me rendre en développement personnel quand même potable. Parce qu'on s'entend, comme je disais tantôt, j'étais un loser solide. Là. Quand j'attaque le monde, dans le fond, en caméra, là, c'est moi j'attaque à la base. T'as une ancienne version de c'est mon ancienne version que je leur dis, t'es un loser, à part que j'ai jamais été gros. Ouais. Tu sais, mais... J'attaque moi-même en disant let's go, lève ton cul, va travailler, fais quelque chose. C'est là-dessus qu'on se ressemble parce que je sais pas si je peux parler pour toi là-dessus, mais moi, ce que je fais sur le podcast, c'est un peu ça. Là. Ouais. Dans le fond, tu sais, quand je parle aux gars puis je leur dis de prendre la responsabilité, puis même quand je les traite de gros ou de loser puis tout ça, c'est un petit peu moi que je regarde dans le passé. Là. Mm. Si je le sais que moi, j'ai été capable de me rendre là, j'ai été capable de prendre mes responsabilités puis de me donner un coup de pied dans le cul, c'est parce que je sais que n'importe qui peut le faire. Il y a personne qui est vraiment faible au point de pas être capable d'avancer dans la vie. Puis tu sais, encore là, est-ce que je suis rendu où je voulais être? Non, je serai jamais rendu où je veux être. Jamais, jamais. Parce qu'à chaque fois que tu accomplis quelque chose, tu as besoin de quoi d'autre? Puis là, mon but en ce moment, c'est d'aider le maximum de personnes à se trouver eux-mêmes, être bien dans leur tête, être bien dans leur peau, puis that's it. Je veux faire ça de ma vie, aider le monde. C'est un bel objectif. On est-tu correct avec les caméras? Ça enregistre toujours? Puis, on est rendu à combien? On pourrait faire un dernier round de conclusion, puis ça va faire pas mal une heure, un petit peu plus qu'une heure. On était rendu à 29 minutes. Fait qu'il reste 12 minutes pour faire une heure. OK. OK, ben... Ben, on peut se faire un caucus, là, on pourrait couper. OK. On parle de quoi? Qu'est-ce que t'aimerais parler pour peut-être... Ouais, fait qu'Éric, on va faire... Un peu de cloud sur les réseaux ou quelque chose, un message que t'aimerais passer à tes téléspectateurs et à tes clients. Que peu importe ce que tu veux faire, peu importe qui tu veux devenir, si tu travailles chaque jour, puis si tes habitudes quotidiennes sont placées en conséquence de tes valeurs puis tes objectifs, tu peux y arriver. On peut y arriver. La plupart du monde, on dirait qu'ils sont tous trop perdus peut-être, sont tous trop limités, se sont limités par la société, par leurs proches qui disent « ça c'est dur, tu pourras jamais atteindre ça ». Moi, je veux leur faire comprendre que si tu veux, tu peux, tu as juste à travailler pour. C'est pour ça que je suis dur avec mes clients, c'est pour ça que j'ai aucune... Comment je pourrais dire ça? J'ai aucun respect en les excuses. J'ai pas de respect pour les excuses. Pour moi, t'es dans l'excuse, t'es lâche. Final, c'est fini là. Fait que je veux les responsabiliser. Je veux qu'ils deviennent qu'est-ce qu'eux autres aimeraient devenir et non ce que la société aimerait qu'ils deviennent, tout simplement. C'est là qu'il y a un lien aussi. De suivre leurs rêves, dans le fond. Exact. C'est... Suis tes rêves, peu importe t'es qui. Tu peux suivre tes rêves. Mais ils se sont fait conditionner de penser de d'être réaliste. Mais ouais, mais sois réaliste. Même leurs parents leur ont dit. Mais on s'est tous fait réaliste. Ça. On s'est tous fait dire ça, mais il se trouve qu'on est des hommes, on a des couilles. Puis à un moment donné, quand t'es capable de faire comme OK, je suis un homme, j'ai des couilles, je veux faire ça, fuck you, je vais y aller. Ouais, ben, tu penses pas qu'au Québec, aux États-Unis, j'ai plus l'impression que les parents, puis mettons, l'entourage de quelqu'un va l'encourager à poursuivre ses rêves, mais peut-être le coacher en disant ah, mais tu sais, fais attention parce que par expérience, X, Y, Z. Parce que tu sais, il faut être réaliste, je pense, mais de là à dire ah, c'est trop dur,
Ah, oh, tu seras pas capable. Ah, oh, il y a peu de chances, peu d'appels, tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Absolument, sauf qu'en même temps, c'est pour ça que j'ai tout le temps appris à suivre les personnes qui ont réalisé ce que je voulais faire. Et non, monsieur, le gars à l'école qui dit ça, tu pourrais faire ça, c'est payant, tu le regardes, tu fais genre 50 000 piastres par année, l'orienteur. Ouais. Tu fais 50 000 piastres par année, tu essaies de faire quoi? À 50 000 par année, je me tire une balle dans la tête et on en finit là. Si je suis limité, avec c'est exactement ça que je dis. Hein? Tu peux pas vivre avec ça. Si tu fais quoi, en bas de 100-120 par personne, quasiment. Est-ce que c'est difficile? Tu pars un mais bref, fan. Est-ce qu'au. Puis il y en a qui l'essayent, puis encore là, malheureusement. On va mettre la Lucide Podcast sur OnlyFans. Il n'y a même pas 1% des filles qui se partent des OF qui réussissent à en vivre. Ça, c'est terrible. Ah, tu as mis ton cul passé sur Internet pour fuck all, finalement. Puis là, ben, il y a plein de monde perv weird qui ont tes fesses pis tes seins. Mais Jesse Jones, ordi, avait parlé, c'est pas ça. Il a fallu qu'il commence en 2016. T'as même pas fait une scène. Ouais, c'est ça. C'était comme. C'est les. Tu sais, il y a les early adapters, puis t'as ceux qui sont trop tard, mais je vois pas comment qu'en 2024... Ça s'appelle du FOMO. Ça, c'est la fille qui arrive puis qui se présente à un gars après, puis qui a dit « Salut, moi, c'est, mettons, Annie, j'ai à peu près 150 000 followers qui m'ont vu le cul. » Ah, si tu pars à OnlyFans en 2024... Passe, next, tu sais, mais c'est... Ah, puis en plus de scraper leur potentiel de se trouver un homme c'est, bon, c'est un très gros risque de se partir à OnlyFans en 2024, ça s'appelle du Fear of Missing Out, du FOMO. Puis, tu sais, en même temps, je veux pas être la personne qui va scraper tes rêves, là, si tu veux partir à OnlyFans. Non, mais Joël, on vient de dire là, qu'il fallait croire en ses rêves. C'est quoi ça? Ouais, prends ton OnlyFans, vas-y, okay, ma grande. Attends, je vais reprendre ce bout-là. Si jamais ton rêve, c'est vraiment de te partir en OnlyFans, te montrer les seins à tout le monde, puis toi, t'es le genre de personne à arriver en avant d'un gars, puis il te demande « Hey, tu manges quoi d'autre, toi, à part que des pénis? » Ben vas-y, vas-y. Ah ouais, vas-y, vas-y fort, mais par exemple, je chiale pas quand t'es pas capable d'avoir un autre job ou quand tu vas te faire critiquer. Ou quand t'es pas capable de te trouver un gars, parce que, tu sais, l'affaire ben, aussi, c'est... Moi, c'est... Le monde m'a dit « Ah, mais vous jugez, puis tout. » Oui, Chris, j'y ai parlé à Marie-Maxime, puis Hélène Boudreau, ces filles-là. Moi, si ma fille veut faire du OF, je vais lui montrer. Il y en a un paquet d'exemples de filles qui ont fait ce choix-là, il y a 20 ans, qui sont rendues à 40. Regarde de quoi elle a l'air. Tu veux avoir l'air de ça? Fais les mêmes choix qu'elle a fait. Moi, je pense que je vais aligner mes clients. Si jamais tu veux vraiment te partir en OnlyFans, t'as besoin de teddy bear. T'as besoin de ça. Puis fais-toi un lavement anal au début, calice. Ah, là, c'est plus rendu des gummy bears, c'est rendu des teddy bears. Tabarnak, faut que t'aies le trou de cul slack encore. Ben, Hélène, si elle continue de même, elle va probablement y arriver. Ah, on va être capable de se rentrer un teddy rendu là. Ben, elle doit l'avoir deux. Slack, elle Je sais pas s'ils peuvent perdre la virginité. Dans le fond, s'ils peuvent se racheter une virginité au niveau. Un hymen. Un trou de cul, peut-être. Mais, parce qu'il n'y a pas d'hymen à cet endroit. Sinon, c'est un beau domaine si jamais un homme veut se partir une idée de business. T'es chirurgien. T'es chirurgien, tu veux faire un petit peu plus de revenus, ben fais 2-3 points de suture à ceux qui ont trop profité de leurs orifices. Bref. Oh, oh boy. Shit. Ah, c'était boule, va falloir que ça fasse un short. Fait que. Bon, fait qu'Éric, où est-ce qu'on peut te trouver ces réseaux sociaux? Sur Instagram, Éric Guérette, G-U-E-R-E-T-T-A, tout collé ensemble. Tu vas me trouver partout sur les réseaux. Éric Guérette sur Facebook, même chose TikTok. Merci Éric. Ça me fait plaisir. Honnêtement, merci pour l'invitation. J'ai adoré. Puis merci à toi d'avoir été là pour le premier Lucide Podcast on the road. Joël? Les célébrités hollywoodiennes prennent de l'adrénochrome, qui est du sang d'enfant, pour rester jeune.